Amen. Peuple de Dieu, amen. Vraiment. Bataloango. Wow. Amen. Bien que les papas ne se sont pas vraiment manifestés dans la louange, c'est comme s'ils n'ont pas mangé avant de venir au kilt. Amen les papas. Amen les papas. Soyez présents dans la maison de Dieu. Amen. Amen les mamans. Amen les mamans. Merci. Soyez là en chair, en os et en esprit et en âme. Amen. Après avoir loué notre Dieu, il est temps que nous passions à l'enseignement du jour. C'est un temps très précieux, très bénéfique pour nous. Évitons toute distraction. Évitons de regarder à gauche, à droite, mais soyons au contraire disposés et concentrés pour écouter ce que le Seigneur nous a réservé ce matin. Amen. Amen. Pour cela, prenons nos Bibles. Les conseils de ce jour est tiré du livre du prophète Ézéchiel. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen, Mbataluangu. Notre enseignement du jour est tiré du livre du prophète Ézéchiel. À son chapitre 36, du 26e au 27e verset. Ézéchiel. Chapitre 36, versets 26 jusqu'à 27. Relisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. L'église de Mbataluangu a beau attendre ces jours. Amen. Et voici, nous sommes là. Nous sommes présents avec vous pour partager ensemble ces messages très spirituels et très bénéfiques pour la vie spirituelle de tout un chacun. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Le culte de l'Église, l'Iloba Nanzambe, la parole de Dieu, le jour du dimanche, dès que les cantiques nouveaux retentissent, spirituellement nous sommes emportés. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Dieu vient prendre les siens pour les amener dans son trône. Car le culte qui s'est fait à l'Iloba, c'est la photocopie du culte qui s'est fait dans les trônes de Dieu. Donc là où nous sommes, charnellement, nous sommes assises là où nous sommes, mais spirituellement, nous ne sommes pas là. Amen. Amen. Car c'est le temps où Dieu envoie ses saints anges pour venir donner à tout un chacun la bénédiction, la paix, la grâce, que chacun de nous ne se prive pas de cette bénédiction et de cette grâce. Amen. Amen, amen peuple de Dieu.
éviter tout dérangement, éviter tout chuchotement, éviter de regarder à gauche, à droite. Mais soyons disponibles, disposés et concentrés pour écouter la parole. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, notre Dieu nous ramène dans le livre du prophète Ézéchiel. Qui était Ézéchiel? Ézéchiel, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui a prophétisé dans la captivité. Un prophète qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Ce prophète, Dieu l'a fortement utilisé. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Dieu a fortement utilisé Ézéchiel par des visions, par des songes, par des signes, par des oracles qu'il donnait au peuple de Dieu. Mais ils étaient déportés de Jérusalem à Babylone. Parce qu'à chaque fois qu'Israël se méconduisait devant le Seigneur, Dieu ressuscitait l'un des rois parmi les rois de l'époque. Il venait pour envahir Israël et le mener en déportation. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Maintenant, c'est Ézéchiel qui a été choisi pour annoncer les prophéties, les visions, les signes, les prodiges de l'Éternel au sein du peuple de Dieu. Mais pourquoi toujours Ézéchiel? Et quel est le but de la prophétie d'Ézéchiel? La prophétie d'Ézéchiel contient les reproches et les menaces contre les enfants d'Israël. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Dans les prophéties d'Ézéchiel, il y a des reproches et des menaces. Car à chaque fois, Dieu qui aimait son peuple, qui aimait Israël, qui était son peuple, il est reproché à chaque fois qu'il s'est détourné de la bonne voie. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, dans le chapitre 36, là où est tirée notre prédication, le titre c'est la restauration, promesse de la restauration. La promesse de la restauration du peuple par l'Éternel et les renouveaux spirituels. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu veut donner une promesse à Israël en leur disant, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit sur vous afin que vous puissiez observer et mettre en pratique toutes mes ordonnances et toutes mes lois. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Mais nous devons comprendre c'est quoi la promesse selon Dieu et c'est quoi la restauration. Car c'était une promesse de restauration. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. La promesse au sens figuré, c'est ce qu'on désire. C'est ce dont on a besoin d'obtenir. C'est ça la promesse. Et la restauration, c'est la réparation. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. La restauration, c'est la réparation. Pourquoi la réparation? On ne peut jamais réparer quelque chose qui n'est pas gaspillé. Amen. Amen. Pour Dieu, Israël était un peuple gaspillé. Un peuple qui s'est détourné tous les jours de la voie de Dieu. Un peuple qu'il qualifie en disant, Moïse, ce peuple,
Je vais tous les exterminer. Moïse va plaider, Seigneur, l'Éternel, pourquoi veux-tu exterminer ce peuple? Je préfère que tu me tues, moi, ton serviteur. Parce que quand les nations sauront que c'est toi qui as exterminé tous ces peuples, quel sera le témoignage qu'ils vont retenir de toi? Je préfère que tu me donnes la mort. Dieu dit à Moïse, t'inquiète Moïse, tu vois ce peuple? C'est un peuple aux coups roides. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu qualifie Israël d'un peuple aux coups roides. C'est-à-dire un peuple incapable de fidélité. Un peuple qui est incapable de rester, de donner la confiance en entièreté à Dieu. Un peuple qui décide de faire ce que bon lui semble. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Dieu qualifie le peuple d'Israël d'un peuple courroide, un peuple rebelle, un peuple révoltant, un peuple qui s'est détourné, un peuple qui n'observait pas continuellement les ordonnances et les lois de l'Éternel. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Or, Dieu avait une promesse. Et quelle est la promesse que Dieu avait faite à Israël? Il dira, je vous ramènerai de tous ces pays-là, vous êtes exilés, pour vous faire revenir sur la terre promise. La terre que j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Une terre là où coulait le lait et le miel. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Il devrait bien les réaliser. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, il arrive à l'accomplir. Mais l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu devrait faire une nouvelle alliance avec son peuple. Cette nouvelle alliance, c'est la restauration et les renouveaux spirituels. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, Dieu ne s'adresse plus à Israël charnel. Mais Dieu s'adresse aujourd'hui à Israël spirituel. Qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Israël spirituel, c'est la maison de Dieu. Israël spirituel, c'est ces gens-là que Dieu a choisi, a porté dans son cœur et il leur a donné son nom. Ce sont ceux-là qui sont appelés Israël spirituel. Et Dieu fait la promesse à ces Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Dieu nous parle du cœur. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Chacun ici a un cœur, n'est-ce pas? Le cœur dans notre vie joue quel rôle? Le cœur. Hein? Le cœur joue quel rôle dans notre vie? Hein? Distributeur de quoi? Distributeur de sang. Le cœur, c'est l'élément fondamental de la vie de tout un chacun. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Si ton cœur est en mauvais état, tu vas développer ce qu'on appelle des accidents. Comment on appelle ça? Accidents cardiovasculaires. Des accidents cardiovasculaires qui vont faire en sorte que
ton corps ne puisse plus bien fonctionner. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Mais Dieu promet dans la nouvelle alliance de nous donner un cœur nouveau. Le don d'un cœur neuf. Le don d'un cœur nouveau. Maintenant, s'il y a un cœur nouveau, c'est qu'il a aussi un ancien cœur. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le cœur nouveau, il dit, j'enlèverai parmi vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre et le cœur de chair. Chers fidèles, Dieu qui est esprit, qui connaît toutes les pensées des hommes, ce Dieu, jour et nuit, étudie les pensées de cœur des hommes. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce Dieu-là sonde les cœurs et les reins. Il pénètre les pensées, le fond, car le cœur, c'est le centre de toutes les intentions. Le cœur, c'est le centre des émotions. Le cœur, c'est le centre de toutes les décisions. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Le cœur, c'est l'élément fondamental. Comme nous sommes là, Dieu ne regarde pas ce qu'on a mis. Les vêtements, les perruques, non. Les chaussures, non. Les pantalons, il n'est pas là. La robe que tu as portée, il n'est même pas là. Dieu regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé à servir Dieu? Est-ce que ton cœur est en alliance, est en communion avec Dieu? Si ton cœur n'est pas encore en alliance ou en communion avec Dieu, c'est que tu as encore un ancien cœur, un cœur de pierre. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le cœur de pierre, c'est ce cœur qui est insensible à la voix de Dieu. Ce cœur qui est sans pitié, ce cœur qui est sans émotion, ce cœur qui n'a même pas l'âme. Un cœur qui ne vit pas. Il y a de ceux-là, charnellement il vit, mais pour Dieu il ne vit pas. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Raison pour laquelle la plus grande, le plus grand regret de Jésus-Christ de Nazareth était la façon dont le peuple s'est présenté devant le Seigneur. Le prophète Esaïe en a prophétisé en disant, quand tout ce peuple s'approche de moi pour m'honorer, ils ne viennent que pour m'honorer sur leurs lèvres et sur leurs bouches. Mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce peuple a une crainte qui est un rudiment des hommes, qui est une crainte que Dieu qualifie d'hypocrisie et d'ironie. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce matin, Dieu veut que chacun de nous puisse voir si son cœur est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la famille du Christ. Nous allons soutenir notre responsable pastoral à ce qui vient de dire « C'est peuplé mon orgue de lèvres et de la bouche. » Ceux qui ont des Bibles, prenez ceux qui ont des blocs notes pour noter. Nous allons voir ça dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe dans son chapitre 29, le verset 13. Ésaïe dans son chapitre 29, le verset 13. Si nous sommes à la page, lisons les Écritures saintes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi
n'est qu'un précepte des traditions humaines. Amen. Amen. Nous allons relire pour la meilleure compréhension. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Relisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Il dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, ils viennent prier, ils viennent dans ma maison, ils m'honorent de l'œuvre et des bouches. » C'est-à-dire, ils font semblant. Ils m'honorent par l'apparence, par l'extérieur, mais le dedans, en eux, l'intériorité n'est pas ça ce que je veux pour mon peuple. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui chaque fois médite du mal contre son prochain. Un cœur qui n'arrive pas à supporter les autres. Un cœur qui, quand il a un problème avec toi, même si tu es à genoux devant lui, il ne peut jamais te pardonner. Même si tu pleures, tu roules au sol, mais il te dira, je t'ai pardonné, j'ai compris tes excuses. Mais au-dedans de lui, il garde la rancune. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Mais tu viens à l'église, tu chantes les cantiques nouveaux, les cantiques nouveaux. Nous devons nous transformer, nous devons être de nouvelles créatures. C'est le cantique nouveau que nous chantons dans cette église a le pouvoir de transformer tout un chacun ici. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Tu dois changer. Tu dois quitter les comportements avant de connaître l'église, cette église, la parole, la façon dont ta conduite était avant de connaître le Seigneur. Et étant dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une grande différence. Mais il y en a ceux qui ont, jusqu'à aujourd'hui, il a fait 2 ans, 3 ans, 5 ans l'église, mais son cœur est toujours un cœur de pierre, un cœur qui ne se transforme pas, un cœur insensible, un cœur où il a du mal à digérer même les conseils des serviteurs. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le cantique nouveau, le renouveau spirituel, la nouvelle alliance. Or, l'alliance, c'est cet accord sacré que Dieu traite avec nous. Sache que tu as une alliance avec Dieu. Cette alliance, Dieu t'appelle son peuple. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu t'appelle son peuple. Israël, mon peuple. Il dit, tu t'appelleras d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce nom nouveau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette promesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, charnelle à l'époque, aujourd'hui, cette promesse devrait se concrétiser ou s'accomplir pour nous qui sommes les Israélites spirituels. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui est à l'écoute des instructions. C'est un cœur qui est ouvert, un cœur qui accepte tout de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen peuple de Dieu. Amen. Mais est-ce que quand il vient à l'église, regarde un peu l'état de ton cœur. Est-ce que tu acceptes tout de la part du Seigneur? Ou bien tu es celui-là ou celle-là? Quand Dieu te parle au travers de ses serviteurs, tu es le premier ou la première à contester,
à te révolter, à te mettre en opposition. Et vous savez, Israël, à chaque fois, Dieu le châtiait quand il se mettait en opposition à sa parole. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Regarde l'état à laquelle tu es dans cette église depuis que tu as connu l'Iloba. Ton cœur, à quel état? Ton cœur est en bon état? Ton cœur a été restauré? Ton cœur a été déjà réparé? Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Car Dieu dira, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu nous demande notre cœur. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il dit, donne-moi ton cœur afin que tu voies ce que mes voix te disent de faire. Donne-moi seulement ton cœur. Est-ce qu'as-tu déjà donné ton cœur à Dieu? Ou bien ton cœur est en esclavage chez quelqu'un qui te maltraite? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, mon cœur a beaucoup de chocs, j'ai connu beaucoup de chocs. J'ai donné mon cœur à un homme, j'ai donné mon cœur à une femme, et voilà, il m'a déçu. Aujourd'hui, mon cœur saigne. Aujourd'hui, j'ai perdu l'affection. Aujourd'hui, j'ai perdu toutes mes émotions. Aujourd'hui, je me suis mis dans un état où Dieu est contre moi parce que j'ai donné mon cœur à quelqu'un. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un, sache-le, la finalité, c'est la déception. Mais quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu deviendras comme l'argile dans la main du potier. L'Éternel fera de toi sa marque déposée. L'Éternel va te façonner. L'Éternel va faire de toi une vase d'honneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. L'Éternel dit, donne-moi ton cœur seulement. Il demande que nous lui donnons notre cœur. Mais s'il faut donner le cœur à Dieu, comme il n'y a qu'un seul cœur, on va rester avec quoi? C'est un langage qui veut dire, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Et s'incliner devant ce Dieu. Et faire toujours sa volonté. Mais aujourd'hui, nous avons du mal pour s'incliner devant le Seigneur. Nous avons du mal pour nous agenouiller devant le Seigneur. Nous avons du mal pour observer les commandements, pour observer les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Nous allons continuer à soutenir notre prédicateur à ce qu'il vient de dire. Mon fils, donnez-moi ton cœur. Proverbe dans son chapitre 23, le verset 26. Nous sommes dans la sagesse de Salomon, dans son livre des Proverbes, dans son chapitre 23, le verset 26. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Amen. Nous allons relire. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Relisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça. Ce qu'il m'a fait, mon cœur est brisé. Oui, c'est ça l'homme. Il y a seul Dieu qui ne peut jamais te décevoir. Amen. Vous allez me dire, oh, Motei, maintenant,
Même si c'est ton propre mari, il ne faut pas lui donner son cœur. Même si c'est ta propre femme, ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. Amen. Ce n'est pas de cette relation qu'il s'agit. Mais la relation ici, c'est la relation de toi avec ton Créateur. Si réellement tu pries Dieu, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Vous savez, le cœur de l'homme détermine la nature de la personne. Il y a de ces gens, quand tu lui regardes, tu lui fixes les regards, tu lis déjà ce qui est dans son cœur. Le cœur de celui-là est un cœur incrédule, un cœur méchant, un cœur infidèle, un cœur insensible. Mais il y a d'autres, quand tu lui regardes, tu lis que celui-ci a un cœur de chair, un cœur plein d'amour, un cœur plein de pitié, un cœur plein de miséricorde, un cœur rempli de beaucoup d'affection, de beaucoup d'amour. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Raison pour laquelle David va nous dire dans le livre des Psaumes, à son chapitre premier, il dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves du plaisir dans la loi de l'Éternel? Est-ce que tu as du plaisir quand tu écoutes quelque chose de la part de Dieu? Moi, ça me fait mal. Un fidèle qui se révolte contre son Dieu. Un fidèle qui se révolte contre ses pasteurs. Un fidèle qui se met en opposition avec ses enseignants. Un fidèle qui se met en champ de faïence avec ceux-là qui lui bénit. Qu'est-ce que tu vas bénéficier en retour? Tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mais ce matin, Dieu est venu nous enseigner d'avoir un cœur nouveau. Un cœur rempli de l'amour de Dieu. Un cœur rempli de la bonté de Dieu. Un cœur rempli de miséricorde. Un cœur rempli de pitié. Un cœur où Dieu va trouver une habitation. Dieu va loger dans notre cœur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Dieu? C'est aujourd'hui ou jamais. Donne ton cœur à Dieu. Car il dit, je mettrai mon esprit. L'esprit, c'est celle qui détermine notre pensée et notre conduite. Car tout ce qu'on fait, il y a toujours une liaison entre le cœur et l'esprit. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Car les pensées, tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme réfléchit, c'est toujours en accord avec le cœur et avec l'esprit. Le cœur peut avoir une pensée. L'esprit viendra pour déterminer s'il faut exécuter cette pensée ou il faut l'abandonner. Parfois, il y a toujours quelque chose qui nous anime. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Va, ne va pas. Arrête-toi, avance. Amen. C'est là. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, comme Dieu a promis pour son peuple, je mettrai mon esprit sur eux. Ils seront mon peuple. Et moi-même, je serai leur Dieu. Es-tu vraiment le peuple que Dieu fait confiance? Es-tu réellement ce peuple qui a donné son cœur tout entier à Dieu? Ou bien tu viens seulement honorer le Seigneur par des lèvres. Quand il s'agit d'œuvrer pour ton Dieu, tu es la première à dire que l'Église il demande trop. À l'Église, c'est qu'il n'y a que l'argent. Mais la Bible déclare l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Amen. 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 Amen.
L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il dit, ne dis pas ton cœur, ma force et la puissance de ma main, mon intelligence, mon courage m'a donné ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force d'en avoir, la force d'en acquérir. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné cela. Maintenant, pour en retour, pour servir ce Dieu, pour donner à Dieu, pour l'évolution de son œuvre, ton cœur ne supporte pas cela. Parce que tu as encore un cœur de pierre, un cœur infidèle, un cœur des incirconcis, un cœur même des païens, si on peut les qualifier ainsi. Un cœur de celui qui prie Dieu par hypocrisie. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Ne soyons pas des hypocrites. Amen. Ne soyons pas des hypocrites, car Dieu connaît les pensées. Dieu connaît tout ce qu'on cogite jour et nuit. Quand il y a une bonne pensée pour ton Dieu, n'hésite pas, fais-le, Dieu va te bénir. Amen. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Donnons nos cœurs à Dieu. Servons notre Dieu avec amour, sans tristesse, sans se plaindre de quoi que ce soit, car notre vie dépend de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole.